Eh bien, salut à tous, c'est Lerco pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Resident Evil 4. Et on se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 26. La dernière fois, nous avions réussi à sauver la vie de Léon. Ce mec-là est toujours glitché, mais c'est pas grave. Il y a de grandes chances que cet épisode-ci, même... je suis presque sûr que cet épisode-ci sera le dernier. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Le dernier de la série, réellement, à savoir qu'on va finir donc Separate Ways, et par la même occasion, putain mais vos gueules les gars, s'il vous plaît, vos gueules, et par la même occasion, terminer la série Resident Evil 4, ensemble. Oui, ça j'avais déjà lu ça la dernière fois, vous allez me dire. Donc, on va regarder un petit peu ici s'il n'y a pas des trucs cachés, qu'il n'y aurait pas eu avec Léon, nope. Toi, t'es toujours glitché, c'est cool. Ah, voilà, là, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avec Léon. Une munition de fusil. Très bien. Donc, toi, là, t'es un peu teubé. Ok. Ok. Et là, la technique de... J'ai pas envie de griller les munitions, donc... Je vous avais dit qu'elles étaient pratiques, quand même, ces petites grenades aveuglantes. Hein. C'est rare, les jeux où c'est utile, les grenades aveuglantes. Hein. Hop, prendre herbe rouge, je prends. Et ça, ce cadavre est répugnant, surtout la bouche. C'est insoutenable, mais ce n'est pas un cadavre. Simplement que toi, t'as eu du bol, parce que ce saloperie n'est pas réveillé. On peut pas le... Non? Ça aurait été marrant, ça. Oh. Ah, vert. Nickel. Eh bien, les amis, nous avons avancé. Grimper. Non, vas-y, grimpe, ma grande. Vas-y, merci. Oh. Oh, l'élégance. L'élégance absolue. Alors, ouais, on va reprendre. Munition de pistolet. Putain de oui. Munition de PMP. Putain de oui. Ah. Nous avons un invité. Oh, Krauser. I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Ok, donc on doit terminer le boulot. Commencer par Léon. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est... Hop. Et vous le savez très bien, Krauser, qu'est-ce qu'il craint? Il craint le couteau. Et en fait, Krauser, c'est plus un prétexte qu'autre chose pour faire le plein de munitions. Parce que... Là. Oh, putain de merde! Du calme, gars! Hop! Ah là, il avait des... Lui, il craint vachement le couteau. Et donc, c'est le moyen idéal pour faire le plein de mines. Parce qu'il y a pas mal de munitions. J'ai loupé une herbe verte, mais c'est pas putain de grave. Ah ouais, sérieux. Mais... Voilà. J'ai eu peur qu'elle... Oh putain de merde. Oh putain de merde. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien ça. Vas-y, viens là. 6 coups de couteau. C'est tout. Petite bite. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. La traduction française est pas super bien, elle est tout publique, hein, la traduction française. Mais vous l'aurez compris, elle est coquine, la petite Ada. Ah bah là, la langue papillon, il me semble bien qu'il manquait un truc.
Voilà. Combiné avec ceci et combiné avec cela. Et I don't like it when men play it rough, ça veut dire j'aime pas quand les mecs... Enfin, vous avez compris quoi, si, si vous êtes pas... Techniquement, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes abonné à ma chaîne, vous devriez avoir quelques notions... quelques notions par rapport au sexe. Hein. Et donc, being rough in sex, enfin en sexe, vous, vous devriez savoir ce que ça veut dire. Donc je n'ai pas à vous expliquer la blague. Voilà. Hein. Bon, c'est pas tout, mais... You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Et donc, c'est l'heure du boss fight. Évidemment. Ouh. Il est plutôt énervé, je crois. Ah, je crois que je vais me prendre un truc dans la gueule, là. Ou pas. Oh putain de merde. Alors le problème en fait c'est que il est juste à côté. Attendez. Alors tu me la joues. Tu vas pas me la jouer comme le Némésis hein. D'accord, ok, donc ça sert strictement à putain de rien ce que je suis en train de faire. On va y aller à l'arbalète. Ah oui, là, ça a l'air d'être efficace, par contre. Je vais en profiter pour... D'accord, en fait, je crois avoir compris, il faut que je le force à faire sortir. Les balles de sa gueule. Ouh, putain de merde. Ah, je crois que je suis mort. Ah bah ça devait arriver, hein. Ça devait arriver, les amis. On y retourne. Oui, ok, vas-y, cool. Alors, par contre, non, on va garder ceci. Qui est très bien. Qui fera l'affaire. On va prendre ceci, qui est très bien, qui fera l'affaire. On va prendre ceci qui est très bien, qui fera l'affaire. D'accord, t'as le bras qui passe à travers à travers le mur, mec. Faut que tu consultes, mec. C'est pas normal. Oh mais non, gars, sérieux, j'aime pas l'option d'esquive là.
Les foutages de gueule! Oh putain! Ok. Ok, donc ça je sais. Maintenant. Voilà. D'accord! Ok, c'est encore mieux ça! Bien ça! Non mais non, meuf, arrête! Attendez, 30 secondes. On va se soigner. Ouais, il reste encore de quoi se soigner. Donc, on va se soigner. Ça devrait être bon, je suis aux 3/4 de vie. Je pense pas qu'il me one shot. J'espère pas. Putain, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est le genre de truc qui va me porter la poisse. Non mais sérieux, j'ai même pas l'option d'esquive là. Ok, non. Attends, what? D'accord, ah, il me renvoie les trucs dans la gueule. Ok. Ouais. Ah, il y a 809 mm ici. Ça pue du cul là. Ok, d'accord. Ah, ça m'a rechargé, d'accord, ok, quand même. Non mais la deuxième j'ai esquivé aussi, faut arrêter là. Ça pue du cul. Ça pue du cul les amis, ça pue du cul. Non mais il me fout une mandale. Non mais... Sérieux? Crève! Alors attendez, 30 secondes, tac. Ok. What? Mais genre, il a rien senti, quoi. Attendez, parce que là, il y a un truc, je vais l'utiliser direct. Mais non, sérieux, j'appuie sur les boutons. Non mais non. Eh, je galère. Je galère, putain. Ok, du calme, monsieur. Ah là, là l'esquive elle marche. Par contre, je suis où là? Je comprends pas. Je suis perdu. Ok, je suis putain. Je suis... Je recharge, 30 secondes, merci. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mec. Merci. T'es où? T'es où, saleté? Ah putain, mais sérieux. Je vais claquer là, je vais claquer. Voilà, je suis mort. Génial, on va se la refaire encore une fois. Je pense qu'il y aura des prix, des coupures au montage là. C'est pas possible sinon. Allez, on se la refait. C'est bon, je sais. Allez, hop. Allez, tu sais quoi? Rien à foutre, je fonce droit sur ta gueule. Vas-y. Non mais genre, j'ai pas eu de QTE là. Mais genre, j'ai appuyé là. Oui, ça je sais, c'est bon. Trop tard, bravo l'Erco. Ah putain. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. Crève. Putain mais genre il me fout une mandale mais en mode Ok. Je comprends pas, ça lui fait plus de dommages quoi. C'est en mode non j'ai rien à foutre. Tu sais quoi, vas-y, tue-moi. Merci.
à se la refaire. Je sais pas pourquoi, ça lui fait plus de dommage. Le coup du je t'en fous dans la gueule, non. Rien à foutre. C'est reparti. Troisième prise. Troisième, c'est la bonne. On dit aussi jamais 203, mais bon, la troisième, c'est la bonne. On va la refaire en mode normal, c'est-à-dire tac, ça je prends. Merci pour le délai, mec. Ok, bon, maintenant, c'est reparti. T'es un peu planté, c'est pas grave, je t'en veux pas. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu crains ceci? J'ai pas l'impression. Ok. Ah là, nice. Bon, là, ça marche. C'est bien. Ok, là, j'étais peut-être un petit peu trop proche pour son pour esquiver son machin. Hop, date esquive. Ok. Et le 2. Ok. Le problème, c'est qu'il faut que je recharge. Ça va faire charger, c'est nickel. Allez, c'est bien, on est parti. Ça se passe bien. Trop tard. T'es sérieux là? Ok, bon. Je suis dans un coin, c'est pas cool, c'est pas glop. Ouais, attends 30 secondes, mec, s'il te plaît. J'aimerais bien pouvoir me revive un petit peu, tu vois, c'est pas que, mais... Tu m'as fait un peu mal à la dernière charge, vois-tu? Ah, je peux pas, d'accord, ok, bon bah. Écoutez, on va faire ça comme ça. On va utiliser ça comme ça. Et ça comme ça. Ça ira très bien. Il est un peu énervé là. Allez. Yes, c'est fait. Bon, on aura galéré, mais ce sera fait. Troisième, je l'avais dit. Hein. Troisième, c'est la bonne. Thank you. This is going to be hard to explain at customs. Ah. En même temps, c'est normal. Léon vient la sauver. Attention, il va y avoir un tour de magie. Là, les mains sont dans le dos, attachées, en plus. Better try a new trick, 'cause that one's getting old. Et là, les mains sont devant et libres. You okay? Classe, hein. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Il a vraiment une sale gueule, hein? Ada, stand back. Et vous pensez réellement que c'est fini pour Ada? Eh bien non, on a encore le truc, on a encore du pain sur la planche. Ça aurait été trop simple sinon. Pas déconner non plus.
Et voilà comment Ashley a vu Ada. Puisque la question qu'elle posait c'était... Alors qui est cette femme? Une partie de ma vie. Ah putain, c'est vrai. Ok, et... Si je me rappelle bien, je vais avoir de la compagnie en plus. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais je le dis bien. Alors, oui. Mais comment te dire que j'ai pas vraiment le temps pour toi? Hop, quoi. Pareil, toi, j'ai pas vraiment le temps pour toi, mais bon, quand même. Je vais y aller autrement. La technique du shotgun marchait très bien la dernière fois. Elle marche très bien encore aujourd'hui. C'est parfait. Enfin du shotgun, du fusil sniper plutôt. Bah là le shotgun justement ça va être une bonne chose, tiens. Pardon, excuse-moi, je vais te passer. Pardon messieurs, je vais te passer. Je vous jure. Vous arrêtez pas pour moi. Je vous jure, je fais que passer. Vous interrompez pas pour moi, je ne fais que passer. Je prends, on sait jamais. Alors toi, pareil, t'interromps pas pour moi, je te jure, je ne fais que passer. Toi avec ton bazooka, c'est pareil. Toi aussi, c'est pareil. Hop là. On y va. Et attention. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Here, catch. Better get a move on. See you around. Et donc, voici qui termine notre let's play sur Resident Evil 4. On a exploré vraiment toutes les facettes de ce scénario, autant du point de vue que de Léon que celui de Ada. Pour ceux qui étaient présents lors du live de 24h et qui m'ont vu jouer notamment à Resident Evil 2, en fait, ils connaissent maintenant le lien réel qu'il y a entre Léon et Ada. Et voilà quoi, moi ça m'a fait plaisir de terminer ce jeu réellement avec vous, puisque j'avais dit, hein, il manque quelques petits aspects qui ont été soulevés lors de ce scénario alternatif parallèle, comme j'ai l'habitude de le dire. Il manquait donc ces petits éléments qui ont été rajoutés dans ce scénario-là, et je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient rajouté. Il existe encore un autre scénario parallèle où on incarne également Ada, où il y a des petites missions où il faut récupérer ça et là différents échantillons. Mais je ne le ferai pas parce que l'intérêt est strictement nul en fait, il est très limité au niveau scénaristique, donc je sais pas quelque chose que j'ai l'intention de faire. Donc voilà. Par rapport à la diffusion, puisque là vous l'avez deviné, enfin vu que là Resident Evil est terminé, la semaine prochaine il y aura que le Let's Play
Ah, et on voit en bas à gauche le jet ski qui est en train de se barrer. Donc c'est Léon et Ashley qui se sont barrés. La semaine prochaine, il n'y aura que le Let's Play de Fear 3 qui sera là. J'attendrai que le Let's Play de Fear 3 soit terminé pour enchaîner sur le Let's Play de Alan Wake, puisque j'avais déjà dit que ce serait le prochain Let's Play. C'est vrai que Fear 3 s'est glissé à cet endroit, enfin s'est glissé entre les deux un peu plus tôt que prévu. Mais voilà, Alan Wake sera le prochain Let's Play, et il arrivera donc après Fear 3. Mine de rien, on a fait un bon petit carnage, hein, 324 ennemis tués, 80% de précision pour 3 heures de gameplay. Le tout bouclé en 6 épisodes, ça fait ouais une demi-heure l'épisode, c'est plutôt pas mal. Donc je trouve que c'est un bon moment pour terminer ce Let's Play. Je vous rassure de suite, hein, le Let's Play de Fear 3, là il a l'air d'être bien lancé. J'ai pas encore tourné l'épisode de mardi, il y a 2 jours. Donc pour moi je me suis arrêté à l'épisode de jeudi dernier. Mais je peux vous assurer que déjà l'ambiance me plaît énormément. Clairement. C'est quelque chose qui me botte. Et j'espère sérieusement que la suite sera tout aussi intéressante. Et j'ai hâte de voir ce que ce jeu nous réserve. Quoi qu'il en soit, j'espère sérieusement que ce Let's Play vous a plu. Moi je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce Let's Play à mes côtés. Enfin, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire avec vous. C'est quoi à dire, hein. Je vois cette communauté qui est en train de grandir de jour en jour. Et qui s'intéresse aux vidéos que je propose, au contenu que je propose. Et ça me touche que davantage, en fait. Donc là-dessus, merci beaucoup par rapport à ça. Voilà. Donc si ce Let's Play, en tout cas, vous a plu autant qu'à moi, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je l'ai dit toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.